Wagaf, non seulement on l'a connu à Lille en tant que chanteur Maloya, et aussi il est conteur, raconteur des histoires. Et d'ailleurs, il a un livre qui est à l'université, qui a plein de monde qui travaille dessus. Tisa la Petite Rose, Tisa Pes 14, beaucoup d'autres, mais je ne sais pas toutes. Et que d'ailleurs, il y a un monsieur de Sainte-Suzanne, monsieur Daniel Honoré. Tous les ans, il fait le festival de contes. Et chez Sainte-Suzanne, toujours le festival de contes est dédié au Wakaf. Donc, je vais maintenant vous faire passer la parole à Daniel Honoré. Moi, les fonds honorés. En tout cas, merci de recevoir moi ce soir. Et c'est un grand plaisir, bien sûr, d'être en face de tant de gens que les larmes, comme les photos, comme tout ce que nous pouvons trouver de plus gaillard, de plus solide, tout ça. Et c'est ça pour justement la langue créole, la langue que papa, maman la donne à nous quand on est né, mais que nous n'avons pas peut-être toujours cultivé comme il fallait. C'est vrai que si nous réfléchissons, je dis encore, nous en a parfois comme ça, mais la famille laisse tomber. Alors que si nous étions peut-être plus solides, plus Montessardier, cœur gros, peut-être que aujourd'hui encore, notre langue créole serait encore plus riche et capable de mobiliser toute la population de la région. Boum, il y en a ça a grillé, ou si ça va vendre, tout ça, il ne dit pas volaille, il ne dit plus volaille, il dit poulet, c'est joli, hein, poulet. Mais si nous étions plus solides, peut-être que nous aurions toujours dit carré volaille, peut-être que nous aurions dit. Les bons petits fruits, là, les taillards, je dis, c'est tout bon. Normal, ils aiment bien ce bon fruit, que les, la toute qualité, couleur, les taillards. Et dans notre bouche, eh ben, il a perdu son nom. Plus en plus, je dis, il connaît plus, il faut peut-être repasser dans. Mettez ça dans l'église, excusez-moi. Mais peut-être qu'on aurait pu passer à vie, effectivement, avec un petit peu de l'eau sur la tête et dire allez, non, on ne appelle pas comme ça, on appelle. Comment on dit ça? Ben voilà, on a une belle garde quand même, ça, on n'a pas perdre. Mais vous voyez que on a un paquet de mots comme ça. Quand nous rouvrons notre barreau, tout d'un coup, nous rendons compte que le barreau, il appelle mon barreau. Il n'y a pas rien que ça. Alors, il dit que il faut nous continuer, c'est justement, à prendre à cœur ce bataille que nous devons mener. Aujourd'hui, nous les à un certain âge, mais il faut que nous voyons derrière nous, à côté de nous. Il faut que ça que nous en avons comme garçon, comme fille. Tout ça qu'on a dans la tête, justement, le bon mot longtemps. Alors, mais il dit à tout le monde que est là, soir. Il faut que, quand nous quittons la soirée là, il faut que nous n'oublions pas que le vocabulaire, notre langue, c'est un vocabulaire que les riches. Et nous ne devons pas pleurer si bon mot que la disparaît. Nous devons au contraire. On en a une place côté nous, on en a une place dans notre cœur, il faut continuer à vivre. Merci beaucoup. Il y a une question, je disais que Adrien n'avait pas répondu. Qu'en est-il de la transmission des Sérandanes à la Réunion? Je crois que c'est. Oui, la transmission. Et il fait bon pays, lui. À quoi ça me lui cause pas? C'est ce bon lui cause. Parce que moi, Daniel, nous, Daniel,
Daniel, tu feras aussi une bonne grande en boutant, comme Axel, c'est mon bon grand frère. Moi, apprends avec bonne main. À quoi ça me vient en temps de voir ce soir? Quel moment, nanas enfants, c'est la première famille. C'est pas le cœur humain. Il parle d'un madame ou non? Non? Alors, cœur humain, pas un madame. Ah bon, d'accord, mais c'est pas ça. Quel moment nanas enfants de la première famille? C'est un fait d'allant. Ça souffre. Hein? Répète pas. Ça c'est la paresse, d'ailleurs, en fait. Non. Alors, mieux répète la dernière fois, hein, si je n'ai pas trouvé. Pas trouvé, après la table. Hein. Un moment, nana, enfant. Mais, il est la première famille. Comment? Quoi ce Un femme seule? Un femme seule. Pas du sel? Pas du sel? Pas du sel. Pas du sel. Pas du sel. Pas du sel. Donne la réponse. Bon. Comment il appelle bonne femme? Travaille dans une famille, mais elle n'a pas famille à la maison. Hein? Ben voilà, un nénén, c'est un madame qui sont les bons enfants, mais ce bon enfant-là, c'est pas son enfant, donc c'est pas son famille.